une autre histoire? Une histoire où c'est le destin de Pandore qui se joue? J'espère que oui, parce que je vais la raconter dans tous les cas. D'abord, il y a eu l'Arche, une prison alien ouverte avec une clé mystique. Pour les guerriers qui sont parvenus à y entrer, l'Arche n'a été que tentacules et déceptions. Ils se sont volatilisés dans les terres désertiques, persuadés que l'Arche ne renfermait aucun trésor. Mais ils avaient tort. L'ouverture de l'Arche a déclenché l'apparition d'Iridium, un élément alien d'une valeur inestimable. Le précieux minerai s'est vite retrouvé aux quatre coins de Pandore, attirant de nombreux intéressés, dont la société Hyperion. Hyperion s'est implanté sur Pandore pour exploiter l'Iridium et faire la loi sur cette planète sauvage. Sous la surface, elle a découvert la trace d'une arche bien plus importante. Son chef s'est mis en tête de la débusquer, afin de civiliser les Borderlands une fois pour toutes. Cependant, Hyperion n'était pas la seule à convoiter la puissance alien de cette nouvelle arche. Difficile de résister à l'appel du danger et du butin. Des foules de guerriers se sont donc lancés à l'assaut des secrets de Pandore. Des aventuriers pour certains. Des inconscients pour d'autres. Moi, je les appelle des chasseurs de l'Arche. Notre histoire débute avec eux et avec un homme. Le beau Jack.
pas laisser des tueurs psychopathes dans votre genre trouver l'arche avant moi. Je trouve ça mignon que vous vous preniez pour les héros de cette petite odyssée, mais non, c'est pas le cas. Bienvenue sur Pandore, les mioches. Salut à tous, c'est Tony pour vous présenter ce premier épisode du Let's Play de Borderlands 2 que nous avons donc réceptionné aujourd'hui et qu'on vous met en ligne directement, là, tout de suite, ce vendredi. Et je suis accompagné pour cet épisode ainsi que pour tous les autres, hein, comme je vous avais déjà prévenu, par Moutmout. Salut à toi. Salut tout le monde. Donc voilà, Moutmout qui a un petit accent du sud et qui va jouer avec moi pour que nous puissions découvrir ensemble en fait plutôt cet épisode, surtout ce Borderlands 2, j'ai un peu du mal. Et là je suis à la présentation de perso, alors dis-moi Moutmout ce que t'as choisi pendant que moi je fais un rapide tour. Je vais prendre le défouailleur. Pourquoi tu prends le défouailleur? Pour défourailler. Donc ouais, compétences d'action défouraillage, ils sont pas foulés, style de combat amateur. Deux gros flingues chargés, ok. Moi je serais plus partant, je t'ai dit que j'avais une petite hésitation entre la sirène, parce que j'aime bien tout ce qui est magique, et le commando, mais je pense qu'en fait je vais toucher beaucoup plus de monde si je suis commando face à toi. Parce que j'imagine que toi, comme tu vas défourailler, je vais pas avoir beaucoup de kills, donc ça va pas être cool. Il me reste 34 secondes, alors... Bon allez, je fais un trait pour voir ce qui se passe. Style de combat, rester à couvert, ne jamais laisser la moindre chance à l'ennemi. Tiens longue distance, fusée précision, tranchage de gland. Ah, en fait, l'assassin zéro, c'est le sniper dans la. Par contre, en fait. Je crois que ce que tu vas faire, c'est partir et revenir parce que tu peux modifier plein de trucs en fait. Tu vois que t'as choisi ton perso. Ah merde! Ah merde! Ah fuck! Bon, attends, on va voir ce que ça fait. Ouais, quitte vite! Hop! De retour, et oui, parce qu'en fait on est limité par le chrono début dans. C'est un peu naze d'ailleurs quand on joue en multi. Je trouve ça un peu stupide. Donc tête d'action. Écoutez, on va voir ce qu'on peut changer. Chargement des textures en temps réel, ça se voit un peu. Mettre une tête de robot, c'est un peu dégueulasse. Ranger au radar. Ouais, en fait j'aime bien celui-là. Apparence tenue. Tac. Bon, je me dépêche un peu, on a vraiment pas beaucoup de temps. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, on va se rattraper juste après, je vous le promets. T'as mis quelle couleur, Mout? Rouge, un rouge. Rouge. Allez, ouais. On se met rouge, comme ça on se verra de loin. Hop, faction rouge, allez. Fraction rouge, pardon. Non, moi je m'appelle Tonième, et on confirme. Hop, moi je suis paré, à toi d'avoir le petit. Ouais, c'est bon pour moi. Bueno. 3, 2, 1, c'est parti. Donc oui, tu as choisi donc, rappelle-le-moi, le défourailleur. Exact. Et dans les trailers, t'as vu que le défourailleur avait deux grosses sulfateuses dans les mains. Ouais, ça me fait peur, j'espère pas avoir. Génial, encore un chasseur de l'arche mort. Jack n'arrête pas en ce moment. Hé, hey, une minute, t'es pas mort? Yes! Je vais enfin pouvoir me barrer de ce glacier. Ça y est, Claptrap, ton vaisseau métaphorique est enfin arrivé. Je me présente, je suis un robot multifonction, CL4PTP. Mais mes amis m'appellent Claptrap. Enfin, m'appelleraient s'il en restait encore un en vie, ou si j'en avais. Oh, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, prends ce système écho que je n'ai pas piqué sur un de ces cadavres. Il dispose d'un affichage tête haute de 15-12, avec une mini-carte en prime. Allez, par ici, l'ami. Ne restons pas dehors. Ça déchire. Grâce à mon valeureux chasseur de l'arche, je vais enfin pouvoir rejoindre la résistance à Sanctuary, me venger de Jack qui a détruit ma chaîne de production et faire réparer mon processeur pour arrêter de penser à voix haute. Je me demande ce que ça fait d'avoir un nombril. Je t'expliquerai tout très bientôt, mais il faut que tu saches.
Tu es en vie pour une raison. Et moi, je suis là pour t'aider. Oh. Alors. C'est superbe graphiquement. Hein. Ah ouais, c'est super joli. Donc là, on a rencontré Claptrap qu'on avait dans le précédent volet. Qu'il fallait tout le temps soigner d'ailleurs, qui nous donnait des armes. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais, c'était pas mal. Et là. Bien joué. Wow. Ta capacité à t'orienter. Regarde sans derrière. Signera la perte du beau Jack. Welcome. Welcome. Bon. On n'est pas mort, apparemment. Il était prêt à nous enterrer, le truc. Et ça s'ouvre. Il y a déjà des coffres. Hein. Des petites mesures de sécurité. Il faut faire attention. Il vous arrache un œil en moins. Hop là. Bah écoute. On va avancer. Attends, tu te souviens, on pouvait fouiller dans les boîtes aux lettres. Ouais, voilà. Ouais, mais tu peux fouiller quasiment partout. Hop. T'arrives, copain. Graphiquement, ils ont vraiment fait un effort, quoi. Ouais, ça se sent, ouais, quand même, j'avoue. Hop, on fait le tour du proprio. On l'a tué, mec. C'est un garou. Il a tué tous ceux que je connaissais. C'est d'ailleurs pour ça que je garde une arme dans cette armoire en cas d'urgence. Même si ici, on risque pas grand chose. Mec, il va trouver moyen de se tirer une balle, tu vas voir. Il est con, ce truc. Le flingue dans l'armoire. Mon dieu, quoi. On retrouve vraiment l'aspect stupide et l'humour glauque du premier volet. J'adore ça. Quoi. Donc là, on débarque un peu. On parle pas beaucoup, hein, mais on découvre le jeu avec vous. Et pour vous dire, bah, on est assez... le flingue, il est là. Alors. Oui, ok. Il y a longtemps, 4 chasseurs de l'Arche réussirent à changer le visage de Pandore. Mais leur temps est à présent révolu. À cause du beau Jack, Pandore a aujourd'hui besoin d'un nouveau héros. Tu es ce héros. Si on met de côté la douleur terrible que je ressens, tout va se... Tu l'as trouvé où l'arme? Dans le placard là-bas. Ici là. J'avais là. Ah, je l'ai pas. Sérieux? Non, j'en ai pas. Ah, fais chier. Tu veux que je passe devant? Bah, ils doivent en avoir, la chance. Ouais, je pense aussi. C'est bourré de coffres, hein, comme dans le précédent volet. Donc, nous, on joue sur PC, on est obligé de le préciser. Mood joue au clavier souris, voilà. Sur un PC tout neuf qui s'est fait il y a très peu de temps, hein, voilà, pour vous enregistrer des super belles vidéos. Et moi je suis à la manette. Voilà, désolé, je te l'apprends, moi je suis désolé. Insulte-moi si tu veux. Mais voilà, avec un PC qui tient la route, comme vous pouvez le voir. Ah, ça y est, j'ai une arme. Avance, sbire non aveugle. Disons que ceci t'a échappé. Effectivement, je la vois sur ton dos. Cœur de primate, t'as beau m'avoir aveuglé. Je sais toujours m'orienter dans le glacier. Effectue une attaque de paracord. Je te parie qu'on retrouvera mon œil à Frostbite Crevasse. Les coffres encore. Ne quitte pas le robot d'une semelle. Il t'aidera à franchir le glacier jusqu'à la ville de Sanctuary. Il n'y a que là-bas que tu... Si tu veux qu'il nous aide, le truc, il est aveugle, quoi. En fait, on peut... En tirant sur les glaciers, on a des trucs. Alors, la vidéo d'intro. Ah, ça commence. Faites-moi ça. Et instable, moi, avec mon flingue, c'est un truc de malade. Quoi. Attends, j'ai testé le corps à corps. Merde. Ah, c'est bueno, le corps à corps. J'aime ça. En route. Si on récupère pas mon œil,
Attends, mais t'es en train de percuter que la première mission, c'est choper l'œil d'un robot, quoi. Allô, quoi. Mais sérieux, c'est génial, quoi. Qui se casse la gueule non-stop, par contre. Donc je sais pas ce que t'as pensé de la vidéo d'introduction, d'ailleurs. Oh, sympa, c'est... Ça colle vraiment à Borderlands 1, quoi. Ouais, j'avoue. Et moi, j'ai... Ce drôle de petit robot peut t'aider à atteindre Sanctuary, l'ultime bastion de la résistance contre Jack, et le seul endroit où tu seras en lieu sûr. Va à Sanctuary. Ouais, y'a des monstres. Ouais. Moi, ce qui m'a fait triper, c'est le petit bonhomme qui avait un masque, tu sais, le truc qui... Il met un coup de boule à un mec, c'est pas pourquoi, mais c'est pas grave. J'ai kiffé, tu sais. Il se fait défracter. Il y a du recul, hein. Ouais, c'est vraiment super chaud à gérer. Hein. Alors, je vais vite faire récupérer ça. Apparemment, on partage les ressources en ce qui concerne de l'argent. Je n'entends plus de Garogo. Donc du coup... C'est pas un problème. C'est vautré, Je veux juste te signaler que tu ne m'as toujours pas sorti d'ici. Tu te dis peut-être... Okay. Oh, Claptrap est un tel parangon de justice et de talent qu'il se débrouille à tout seul. Ah, il est... Vous dites moi, c'est génial. Il est trop cool. Ah, désanégé Claptrap, quoi. Oh là là. Oh, les paves. Substitut de relation amicale. J'adore. Salut, petite tête. C'est Jack, président d'Hyperion. Je vais t'expliquer les règles du jeu. Un chasseur de l'arche débarque. Le chasseur de l'arche cherche la nouvelle arche. Le chasseur de l'arche meurt. Je l'ai tué. Tu vois le souci? Toi, tu es toujours là. Donc si tu pouvais me rendre service et te foutre en l'air, je t'en serais très reconnaissant. Merci, mon lapin. Très très bon, franchement. Oh non. Ça va faire mal. Bon bah écoute, c'est quoi faire? Oh putain, il me court de... Ah, attends, moi je suis dans mon inventaire là. Mais merde, je me fais poutrer mec, dépêche-toi. J'arrive. Putain, les boules. Oh, les boules. Le bruit des armes, on dirait qu'on est dans des flashballs, quoi. Ah, j'avoue, ouais. Ah, putain, les boules. Les boules, les boules. Bon, on le descend vite, mais faut juste que je fasse gaffe à ma vie, quoi. Putain, il me saute dessus, ce gars. Il est où? Là-haut. Oula, il a des collègues. Non, ah merde. Tu veux que je me charge du... Il me saute dessus, c'est bon, manière. C'est bon pour moi. Mais viens là que je te mette des coups de pioche ou de hache ou je sais pas trop ce que c'est, mais viens là, toi, copain. Le mec il est en train de se faire plaisir. C'est bon, je l'ai tué le boss. Niveau 2. Bon, je récupère l'œil. Oh oui, j'ai envie d'enfoncer mon point dans tes circuits. Ah oui. Ouais, moi j'appuie ah, sur c'est stylé. I, toi je sais pas comment tu fais. C'est stylé pour parce que moi je vois un écran face à toi en fait. Ah c'est vrai, je suis dans mon inventaire là. Attends, mon inventaire ça doit être ça. Tiens, regarde. Ah ouais, c'est stylé. Classe. C'est trop stylé, alors attends, je mate débloquer finalement. Ouais, je suis au courant. Tac. Alors, je vais avoir du mal à me faire ce mode d'inventaire pour l'instant, faut à mon avis que... Écho, hein. Pas ce que je viens de faire, mais je suis d'accord. Ok. Sélectionner, comparer, ok. Je vais me faire petit à petit, hein. Quoi ? Ah, Sarah, c'est une blague ? Tu te souviens d'Estias ? Au lieu de protéger le dignitaire qu'on t'avait confié, tu lui as collé un mouchard, tu l'as livré à l'ennemi, tu l'as... Redis-moi tout ça, amigo.
parle dans le micro. Lion. Tu seras mort avant d'avoir soufflé l'arche, pauvre taré. Avant que t'aies même réalisé toute sa puissance, on va te buter, te cramer, te poignarder, te charcuter, jusqu'à ce que t'en puisses plus. J'ai savouré chaque mot de ta phrase. Alerte intrusion. Verrouillage de la porte. Oh là là. Lol, ça commence bien. Un changer d'arme avec Y. Bon, bah, on s'est bien amusé. Il paraît que se faire dévorer par un garogo n'a absolument rien de dégradant. Attends, je m'en occupe. Changement de phase en cours. Y'a pas de quoi. Ça aide d'être une intelligence artificielle. Je peux me connecter à quasiment tous les réseaux. J'ai pas pris une moche pour faire ça. Hein. La route est longue jusqu'à son c'est étrange, hein. Je t'en prie, prends tout ce qu'il te faut pour le trajet. L'animation de tous les coffres est vraiment bien. Ouais. Moi, je vais me faire petit à petit, je pense, au système d'inventaire. Comme le 1, d'ailleurs. Oh, regarde. Ah. C'est quoi, un fusil à pompe? Ah, bah, ça toi, commence ça. Bien. ça commence bien pour toi, tu sais. Tu te bouges? Je vais voir tous les coffres aux alentours, il y a des trucs sympas. Là, je te le laisse. Ça, c'est de la balle de snipe, c'est pour moi. Ça, c'est quoi? Ça, je pense que c'est. Ça doit être pour toi, ça aussi. Ok. Allez, on te suit. Première quête. Dirigez-vous vers l'iceberg. Alors, vous devez récupérer l'œil de Claptrap. Ouais, d'accord, ok. En fait, c'est la récompense. On a 10 dollars. Putain, ce qu'on est riche, mec. Putain, ce qu'on est riche, mon pote. Ça promet. Pas dégueu quand même. Hein. Début du voyage, ah. Hein, d'accord, ok. Ouais, vas-y. C'est fait. Donc en fait, je pense que ce let's play va durer entre 30 et 45 minutes pour le premier épisode. Ce glacier est sous le contrôle d'un bandit qu'on appelle le capitaine Flint. Ce voyou m'a gardé comme instrument de torture pendant plusieurs mois. On jouait à. Oh, c'est vraiment beau. Ou ne tombe pas dans le bac d'acide. J'étais très bon au premier. Esquive le chalumeau. Pandore, votre attention s'il vous plaît. Ici le beau Jack. J'offre $1 million à celui ou celle qui me livrera la tête du chasseur de l'arche qui vient de se pointer à Lyersberg. Ah, et la prime sur Roland, tient toujours. Ce tueur en série à la tête des pillards écarlates. Bonne chasse, ami bandit. Bon, en fait, c'est très dur d'en placer une dans le jeu parce qu'il parle tout le temps. Ah, mais... Ah, c'est très cool. Ouais. De défoncer au sniper, voilà, au moins. On retrouve les bonnes vieilles habitudes du 1 pour moi. J'étais sniper. Hop, je te l'ai calmé assez rapidement de manière générale. Tu gères pour le dernier? Ouais. Merde. Ok. Reload. $1 million! Ah, ok, les gars! Ici le capitaine Flint! Vous allez me trouver ce chasseur de l'arche et me l'emmener! Exécution! Plein de trucs ici si tu veux. Oui, mais encore. Prodigieux! D'abord l'attaque des bandits du capitaine Flint et ensuite Claptrap surgit. J'ai dû être horriblement cruel envers des bébés chiots dans une ville antérieure pour mériter cela. Chasseur de l'arche, auriez-vous la bonté d'oxyre les hommes de Flint, s'il vous plaît? On est pas chez des copains, hein. On va voir. J'ai une proposition à te faire. Effectivement. Tu lâches l'affaire et on te tire juste une balle dans la tête. Rapide, ah. Sans bavure et beaucoup je reload. Moins pénible que ce que le beau Jack te réserve. Alors moi j'ai du mal, j'ai trop de recul avec le flingue principal là. J'ai de sniper. Et du coup je snipe comme une merde tant que je m'y fasse. Oh non, des garogos. Allez, reload. Voilà. Hop. Tac. Oula. Il y a des grosses bêtes. Hein. Oulala. Ah oui, effectivement. Je sors le snipe. Enfin, il est déjà sorti, mais... Voilà. Bordel! J'ai pas dit mon dernier mot! Hey, Hammerlock! Comme mon sbire vient de te sauver la mise,
Tu pourrais pas rendre service à ton super pote Claptrap et revisser mon homme? Oui, je suppose que j'ai une dette envers toi à présent. Venez me voir, que je rende la vue à Claptrap. Je dois d'abord désactiver cette barrière électrique. Restez en arrière, chasseur de l'arche. Laissez Claptrap passer en premier. Je savais qu'Amorlock finirait par accepter. Tu veux pas qu'on aille voir la petite maison sur le côté là-bas avant d'avancer, non? Bah, de toute façon, on pourra revenir là, il y a plein de distributeurs qui sont pas encore actifs. D'accord, ok. Le mec, il a trouvé moyen de se. Bon, je crois pas. Pardonnez-moi, mais quand Claptrap s'exprime, mes neurones se suicident un à un. Fais gaffe. J'aurais besoin de prendre l'air. Ravi de faire votre connaissance, chasseur de l'arche. Je suis sur un Amorlock. À votre service. Je suis venu dans la région afin d'étudier les Garogos pour mon almanach, mais les hommes du capitaine Flint m'ont piégé sur ce glacier. Merci beaucoup de leur avoir mis une raclée. Survivre à un affrontement avec le beau Jack et chasser des bandits du capitaine Flint, c'est du jamais vu. Moi-même, je me rendais à Sanctuary. Si vous voulez mon avis, les pillards écarlates auraient bien besoin d'un héros de votre trempe. Auriez-vous l'amabilité de me passer l'œil du robot, s'il vous plaît? Hop, je vais filer l'œil, il va le réinsérer. Ah oui, c'est vrai qu'on peut vendre déjà. Ah oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié ça. Je parle d'une connexion. Le mec, il donne des coups de poing dedans, tu sais. Ça fonctionne, normal. Je suis vivant. Juste ciel, il parle à nouveau. Sbire, maintenant que j'ai retrouvé la vue, dis donc, t'es encore plus moche que dans le noir. Il est temps de rejoindre les pillards écarlates à Sanctuary. Ici, il n'y a que des tueurs et des attardés. Comme ceux à Murloc, par exemple. Je suis juste là, mec. Maintenant que la ville est plus sûre, je peux rétablir l'alimentation principale. Ce lieu propose bien des choses qui peuvent être utiles aux assassins de votre acabit. Allez, vas-y, Sbire. Il y a vraiment des paysages, c'est magnifique. Tu viens là où je suis, c'est vraiment... J'arrive. Le mec aime tout en haut. Il y a les artworks aussi qui sont, tu sais, dans la présentation des persos qui sont vraiment trop classe, quoi. Et là, yep, hop, on monte encore. Ah ouais, ah c'est putain, joli, c'est... ah ouais, c'est super beau. C'est vraiment très très beau, ouais, effectivement. Vraiment très très beau. Hop. T'as pas Je te souviens dit, comment on faisait pour se soigner? C'était via une touche directe? Je sais du tout, via l'inventaire, non? Je ne pas beaucoup de toute façon dans les ranges. Putain, je vais aller voir les touches. Ah, qu'est-ce qu'il est grand? On a, un... ouais, on a un sac assez petit pour nous. Même. T'as revendu quelque part, toi? Ouais. Ah, bon, je vais aller voir. À la maison de là où on vient, t'as un petit truc pour. Je vais aller voir ça vite fait. Ouais. T'as trouvé où ton district pour vendre? Attends. Couche flingue, c'est une. Viens sur moi là. Ah, je l'avais pas vu. Pourquoi détrousser les morts alors que vous pouvez tout acheter ici? L'offre du jour. Le temps presse. On reste 5 secondes, pas la peine. Alors, tac, sac à dos. Vendre, allez, où on vend. Vend, on vend. Ça, je sais pas ce que c'est. Et... Gearbox Rive. Bon. Ouais, ça a l'air de faire plus de dégâts. Précision, c'est moyen, on dégage. Allez, où on va pas se prendre la tête. On aura des. Des armes plus intéressantes beaucoup plus tard. Hop. Alors, j'aime Par contre, beaucoup je comprends fois. Vraiment pas comment on fait pour se soigner. Pour se soigner, il y avait, je crois qu'il y avait des distributeurs déjà qui pouvaient te soigner direct. Tu pouvais acheter des trousses de soins. Ouais, on a des fioles là rouges exprès, mais je vois pas comment. Bah, c'est quand tu passes dessus. Moi, je sais que quand je passe dessus, ça me soigne automatiquement. D'accord. Allez, marche, cochonnerie! Ah, zut, des crottes de pique!
le tableau des primes HS. Les résistants ont dû le déconnecter avant de partir pour Sanctuary. J'avais du travail à vous proposer. Bon, eh bien, passez me voir à la place. Oh, t'en es déjà là, copain. Allez. Alors, ménage à Leersberg. Libérer Leersberg et entrer ici, Ramlock. Bon, ça c'est fait. Récompense. Alors, ça vous plaît, Leersberg? Ou c'était une ville bouillonnante avant que ses habitants ne prennent la poudre d'escampette en direction de Sanctuary pour fuir la... Non, Shield, un bouclier. Vous disposez maintenant d'un bouclier. Les dégâts qui vous sont infligés sont subis en priorité. J'ai pas eu le temps de dire, ça s'est barré. Ça c'est moins bien. C'est pas très cool, ça. Bon, ok, je vais voir ce qu'il nous propose. Bonjour, bon mercenaire. J'ai de l'argent et un problème. Une seule espèce du pète de son singe, ok. Le capitaine Flint a beau avoir tué tout le monde à Leersberg, ce n'est pas une raison pour que ces garogos se pavanent à tout bout de champ. Quel manque de respect pour les disparus. Allez donc les trucider dans la ville, ce serait un noble geste. Les objectifs sur ton ATH correspondent à la mission active. Tu peux changer la mission active via la section journal de mission sur ton système Echo. D'accord, ok. Alors, Mout, si tu es partant, on a un flingue à gagner. Il sera plus intéressant pour moi, je pense, non? C'est une espèce de M16, d'après ce que j'ai vu. Tu me souviens, il y a les boucliers également. Ouais, on vient d'en gagner un, en théorie, les boucliers. Il est effectif, il est à 106 pour ma part. Je sais pas si toi, tu l'as. Ah, je sais pas. Regarde au-dessus de ta vie, tu as une jauge bleue. Ah non, j'ai rien, moi. Bah, viens chercher ta récompense sur le gars et... Ah, tu es petit, oh oui. Hein. Certaines créatures doivent être tuées, et vous avez un talent pour cela. Mais bonjour, vous avez des ballons surplus et moins de l'argent en abondance. Bonjour, non, bon je peux pas le prendre. J'ai de l'argent. Tu peux pas le prendre? Non. Ah. Il est pas déjà dans ton inventaire, tu dois pas t'en équiper, quelque chose? On va essayer de faire ça. Ouais, c'est bon, je l'ai. Alors, je regarde le radar et je vois un truc ici. Je vois des ennemis. T'es sûr que c'est là-bas, tu peux aller? Ouais, j'arrive. Vu le monde. Non, c'est sur moi. Je sais pas si on regarde au même endroit. Ouais, on est là. Je suis avec toi sur le côté en fait. Sur ton flanc droit. Il jette des cailloux. Putain, mec, il jette des cailloux quoi. Non, mais. Eh, tu vas crever quoi. Ouais, non. Hop. Esquive numéro 1. Esquive numéro 2. C'est easy pour l'instant. Hein. T'as connu plus dur. Ouais, t'es pas un maître des types toi aussi. Hein. Hop. T'es au fusil à pompe ou je rêve? Ouais, j'y suis. Hop. Je reload. Ah. Voilà, c'est good. Zone débarrassée des Garogos. Il eût été préférable que les habitants de Leersberg survécussent pour célébrer la victoire, mais bon, bien joué. Ok, première quête achevée. De toute façon, les premières quêtes sont toujours les plus simples. Histoire d'entrer en matière, en fait. Et les amis, si je ne me trompe pas, si je regarde mon compteur, nous sommes déjà aux alentours de 30 minutes de vidéo. Donc comme je vous ai dit, le premier épisode, on fait encore un petit quart d'heure. Bon, c'est l'épisode pilote, mais après les épisodes ne feront que 30 minutes environ, hein, suivant là où nous sommes dans la quête. Donc voilà, histoire de vous avertir. N'oubliez pas aussi, on vous offre une licence Borderlands. Borderlands 2, je précise bien, parce que Borderlands 1, c'est un peu dépassé, mais voilà, on vous offre le 2, Inreal Game vous offre le 2. Pour ça, il suffit de vous abonner sur le YouTube, ainsi que vous abonner à la fanpage Facebook de Inreal Game. Le lien s'affiche actuellement sur votre écran. Tu viens de trouver une station de personnalisation. Tu peux t'en servir pour changer d'apparence. Wow. Et réinitialiser tes points de compétence. Yes. Sauf que des points de compétence, j'en ai pas. Alors... Modif éclair. Retourner voir notre ami qui nous donne des bonnes quêtes. Oh oui, certaines créatures doivent être tuées. Non, il a déjà dit ça. Faut pas descendre plus bas pour tuer le deuxième groupe. Je vois qu'il y a pas, là, sur le... Ça se sur le HUD, ah ouais, en haut, tu vois. Ouais, attends.
Oula, je suis tombé moi. Je confirme que c'est bien ici. Ouais, je te couvre de là-haut. Potentiellement dans la merde. Ah bah écoute, il jette des cailloux, c'est bueno. Hein. Moi, je me les fais au sniper de loin, c'est BG. Oh merde. Je te couvre. C'est un coup critique que j'ai mis à lui. Il me charge. Et merde. Changement d'arme. Voilà. Démonstration. Flint y réfléchira à deux fois avant de s'attaquer à un village paisible. J'espère. Si vous voulez bien retourner au tableau des primes. Oui, monsieur. Et ce mec, il a un bras bionique, quoi. Il est trop stylé, quoi. Même au niveau des... Arrangez-vous pour prolonger l'agonie du capitaine Flint, voulez-vous ? C'est un sacré goujat. Même au niveau des voix françaises, je trouve qu'ils ont bien assuré. Mise à jour. Si vous comptez survivre un temps soit peu dans ces contrées, il vous faudra un meilleur bouclier. Si je puis me permettre, allez voir l'ancienne planque des pillards écarlates. Montez en ascenseur jusqu'à la boutique. Yes. Allez. Ils nous ont filé une nouvelle arme, une espèce de petite mitraillette. Ah, j'allais mater ça. Exact, exact. Je suis pas bon en précision. Je vais la mettre en deuxième arme. Enfin, toujours mieux que le petit truc super instable. Oula, t'as un de ces trucs, mon gars. Ça a plus la tronche. 1, 2, 3, 4. Ça a plus la tronche d'un fusil à pompe que d'autre chose. Fais-toi plaisir. D'accord. Attends, j'ai ouvert là ou j'ai fermé? Ouais, t'as ouvert, ouais. Ok. Hop, je te rejoins. Borderlands, c'est vraiment bien pour les grands espaces comme ça. C'est... Ouais, ouais, bah c'est vraiment... vraiment libre. Ouais, c'est ça, quoi. Vraiment, c'est ça, quoi. C'est la force du truc. J'ai un ennemi en visu. Et en plus, c'est pas là qu'il faut aller, donc je vais le laisser. Ah, y'a une longue vue, mec. Ouais, y'a une longue vue. 5 tu peux l'utiliser ? Fait chier, je viens de bourriner 5$ comme un gros gland. Voilà, et je viens de rebourriner 5$. Oh, y'a des oiseaux! Regarde, les oiseaux, c'est des ennemis. Oiseaux, ah oui, comme dans le 1. Ouh, mais c'est qu'il y a du monde ici, fais gaffe! J'arrive. Merde. Oh, ouais, la bande son est vraiment bien. Hein. Ah, ouais, la bande son est vraiment bonne. C'est quoi ce flingue de ouf que j'ai? On dirait des balles explosives à l'intérieur, c'est. Ouais, c'est possible. Ah mais laisse-moi vivre toi. Tiens, mange mon hache. Au revoir. Oh c'est ce HS là, la grosse tache de sang quoi. C'est juste trop bueno quoi. J'aime beaucoup la dans la gauche. Ah t'as l'impression d'avoir de la puissance dans les mains quoi, c'est vraiment bien foutu quoi. C'est moi où j'ai vu l'ombre des oiseaux là qui arrive sur nous, non? Bon. Ouais, t'as l'impression d'avoir de la puissance dans les mains et ça c'est franchement bon quand tu manipules une arme. Moi tout ce qui est pistolet et tout là je te les laisse, j'aime pas ça. Bah prends-les, tu pourras les revendre. Alors attends, un truc là. Ramasser enregistreur de Jack. Qu'est-il arrivé à Elena Pierce? Nous nous sommes emparés du train qui traverse le Dust. Si tout se passe bien, nous serons à Sanctuary dans un jour. Hyperion n'a envoyé aucune troupe de New Haven à notre poursuite. Et une tempête de sable recouvre leur avant-poste le plus proche. Il nous faut juste... Photos ! Éloignez-vous des fenêtres ! Photos ? Une sorte de tempête, c'est quoi ? Parce que si on s'éloigne des fenêtres... Vous avez découvert un journal audio d'Elena Pierce ? Elle était lieutenant chez les Pillards Écarlates, le groupe de résistants contre Hyperion. Au-dessus. Je serais curieux de savoir ce qui lui est arrivé. Si vous pouviez retrouver les autres journaux, je me ferais un plaisir. Oh, je brûle. Affirmatif. Affirmatif, tu brûles. Ah, attends, prends voilà, crever, mec. Bon, j'arrive. Ouais, mais c'est faut que tu me rires. Hop. Je soigne. Comment je fais pour soigner? D'accord, bon, c'est un peu à la Gears of War pour le coup, tu sais, t'as la jauge qui se remplit. Et ça me donne de l'XP. Pourquoi pas. Oh, actionné. Suis-je
Monsieur Bait, j'oubliais. Le disjoncteur de la planque est en panne depuis que Claptrap a essayé de s'accoupler avec. Quel humour! Trouve un nouveau fusible pour l'ascenseur et ne crois pas un mot de ce qu'il raconte. Bon, allez, en face, j'imagine, hein. Je sais pas, parce que sur la carte... Oh, regarde, il y a un champ magnétique en face, là. Exactement, ouais. C'est vrai. Sur la carte, ils disent qu'il faut back, là, mais... On va aller voir là. Ah, ouais, je vois où c'est. Merde, je tire à côté. Bien joué. C'est joli, ça. Je sens ton skill BF, tu vois. Je sens ton skill BF dans du Borderlands, c'est BG. Je sais pas pourquoi, je... Hop, un petit HS, ça fait du bien. Ah, je l'adore ce petit. Ouais. Oh, ah, c'est énorme. J'ai essayé d'y faire un HS, mais il a une armure, le gars, tu sais. Vichting. Oh, il y a un fusible de l'autre côté de cette clôture électrique. Passe vite la clôture, tu survivras. Attention, ça va exploser. Ouais. Putain, il résiste, quoi, hein. Ouais, il commence à avoir des bonnes armures là. J'espère qu'on va commencer à avoir des meilleurs flingues, surtout nous, tu vois. Par deux, quoi. Ouvrir. Peut-être une. Bon, je te laisse faire ton Yamakasi là. Je vois que t'es en train de kiffer. Donc... Ah, d'accord. Okay, hop. Ah, je préfère faire ça maintenant. Faut trouver un point de passage, j'imagine. Tu t'es fait mal, non ? Recommence ! Ah, il faut tester, hein. Je te voir souffrir, quoi. Moi, non. Alors, j'imagine que le truc, c'est là-bas. Attends, mais faut pas... Ah, faut passer par ailleurs, copain, je crois. Regarde. Regarde la minimap. Hein. Ouais, ouais, mais il faut rentrer, là, mais bon. Faut pas passer par le... Faire le tour, hein. Je sais pas. Et là... Concrètement... Que faire le tour, attends. Il n'y a pas un système de map Si, voilà. Ah, bah non, apparemment. Bah attends, bah back main. Hein. On va suivre le truc. Tu vois, j'ai pris un commando et pour ça, je me sens beaucoup plus à l'aise au sniper. J'aurais dû prendre le zéro là, tu sais, le mec qui était infiltré. Ouais, stylé lui. Trouver le journal audio. Mais si tu veux, t'es à l'aise, c'est juste qu'au niveau des compétences, selon l'arme que tu vas prendre, tu vas avoir un bonus. Ouais, bah ouais, c'est ça, hein, ouais. C'est dans la barque. Même le lac gelé, il est bien foutu, je trouve. Bon, après, ça reste du cell shading, hein, mais je trouve ça assez agréable dans le style et. Et certains sont même réfractaires à ça, mais au final, c'est un très très bon jeu, très immersif. Et une fois qu'on est dedans, bah, on galère pour décrocher, quoi. Ouais, t'as toujours envie d'avoir l'arme au-dessus et tout. Ouais, de monter level, d'avoir des pouvoirs. Et aussi d'avoir t'as vu, t'as vu la neige sur ton écran qu'elle se pose? Oui, 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 c'est stylé, ça. Quelques flocons qui se dépassent, c'est sympa. Hop. Bon oui, pour prévenir aussi dans ces let's play, on va aussi par moment chercher où est-ce qu'il faut aller, hein, donc, puisqu'on découvre le jeu en même temps que vous. Donc vous en faites pas, il n'y a pas de souci, on va trouver, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que t'as fait? Salut tout le monde! Comment ça va? C'est Jack! Bonjour George! Qu'est-ce que vous voulez? Pardon, vous vous appelez comment? Pierce. Eh bien, mademoiselle Pierce, dites-moi que ce n'est pas madame Pierce, ça me briserait le cœur. Ce train ne vous appartient pas. Ça vous dirait de me regarder quand je vous parle? Ce train a été légalement réquisitionné sur l'ordre de... Couille de ferraille! Qu'est-ce qui est arrivé à votre visage? Yeah. Bon, alors, nouvel objet. Trouver le journal audio suivant. Ok, moi j'imagine que... Ça doit être une quête secondaire qu'on nous a filée, tu vois, ça. Hop. Et la première, c'était aller récupérer l'interrupt.
à mon avis. Tirer les journaux audio. Y aller rapidement. Écoutez, ma petite dame, je sais même pas comment vous appeler. Racontez-moi pourquoi vous vous êtes passé la tête à la ponceuse et je vous laisse tous partir. Tout de suite. Mon mari m'a offert une perle de Skag en anneau. La perle libérait des phéromones provoquant la faim. Ah, j'ai une idée, je crois, mec. Ah, vous savez quoi? Je suis désolé. Et il est où, votre mari, là? Il est mort. Ça fait vraiment de la peine. Au moins, vous avez quelque chose en commun avec lui, maintenant. Ah, il l'a buté. Bon, je te laisse trouver le journal audio. Je vais essayer de trouver la solution pour l'interrupteur, si tu veux. Hop. Alors, il y avait un câble électrique qui descendait. On peut pas s'y... Ah. Nom d'un skag en rite. T'as vu sa gueule? On aurait dit. Wilhelm, tu sais ça va. Compris. Le beau Jack l'a tué, c'est ça? Quelle tristesse, quelle tristesse. Venez me livrer des messages Echo quand vous aurez un moment de libre. Bien joué. Ah, il y a du nouveau. Là, tu vois, t'as toujours des récompenses. Ouais. Là, il m'en propose deux et je peux choisir. Tu vois, t'as deux flingues. Et ouais, selon tes compétences, tu choisis. Ah, mais j'arrive, je bac. Et là, il propose quoi en fait là? Deux pistolets, un explosif apparemment. Ouais. Wow. C'est vraiment joli, même le ciel et tout, ils ont géré avec les étoiles et tout. J'ai rien à redire graphiquement, ça respecte les thèmes et c'est encore plus beau que le précédent. Flittez-moi, avion à l'accord. Je lui remettais le butin trouvé sur les cadavres abandonnés par Jack sur le glacier, et il se retenait de me torturer plusieurs heures à la suite. En fait, il le faisait quand même. Mais aujourd'hui, c'est fini. On va le buter, récupérer mon vaisseau et retourner à Sanctuary. Préviens-moi quand t'auras... Je vais te dire ce qui va se passer, chasseur de l'arche. Boum boum, mon fidèle second va t'éclater la face. Bonjour, bon mercenaire. Et moi, j'utiliserai ton cadavre comme fosse septique. Un peu stressé comme garçon. Et attention à Boum Boum, il est du clan des écorcheurs. Tu vois le genre. Faut suivre Claptrap, je crois. Attends, je vais me faire. Bon, ces bretzels sont vraiment dégueux. Alors, ma poule, qu'est-ce que tu racontes? On s'est pas beaucoup causé depuis que je t'ai fait la peau. Hey, tu penses que tu vas te transformer en bonhomme de neige? Non, ça m'étonnerait. Les bandits t'attraperont avant. Ma journée à moi? Pas mal. Je me suis acheté un poney en diamant, parce que j'ai de la maille. Enfin, tu vois, c'est cool. Ok, bye. Merde, il y a du peuple. Elle. Comment il te l'a défracté, le mousse, quoi. Ah, tu m'as acheté direct, quoi. Ah, j'ai plus de bouclier. Alors tu vois, c'est sympa quand l'effet bouclier se barre, ça permet de le voir. En fait, ton bouclier éclate, tu sais, t'as des trucs un peu à la Crysis. Ouais, c'est vraiment très bien. Le truc, il est chaud, tu sais, il se sent plus. Je me creuse la tête pour trouver un nom à ce poney en diamant que j'ai acheté. J'avais pensé à... C'est pour toi, ça, les poneys. À moite, moite. Mais bon, ça fait un peu immature. Que penses-tu de étalon du cul? Oh non, c'est encore. Mon dieu, au secours. Je vais y réfléchir un peu. Au secours. Allez hop, mange pas ça. Quoi? Voilà, next. Est-ce que je reload? Ok. Ah, je suis assez faible encore à corps. Enfin, encore à corps, pardon. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je mange, quoi? Tire dans la tête et c'est vachement efficace. Pas faux. Valide. Je me mets sur toi à couvert là parce que... Un peu. Oh, notre premier coffre d'armes, tiens. Ah 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 ah.
putain, je me fais encore poutrer quoi. Encore des tirs. Ah, il est là. Il a du bon sang, hein. Ouais, franchement, ça gère, la musique est bonne. Coucou. Attends, parce que je vois pas trop comment y accéder dans ce coffre là. Ça m'étonnerait que ce soit comme ça. Comme dans le 1, faut chercher. Ah, j'y arrive presque, ça doit être comme je fais là. Ah ouais, puis y a des persos qui pouvaient sauter plus haut, tu sais. Comme le sniper quoi, en fait, je sais pas si tu te souviens. Ah ouais, si. J'ai. Ouais, tu peux sauter beaucoup plus haut toi. Faut sprinter en fait, mec. Tu montes sur la rambarde là et tu sprintes en sautant et. Tu montes sur la rambarde par contre. Oh, y'a que des flingues en fait. Ouais. Chacun, comme d'hab. Allez, comme d'hab. Et nous sommes aux 45 minutes, les amis. Mout, viens dire au revoir à nos copains pour le premier épisode de notre Let's Play. Hey, c'est vachement petit. Et ah, s'il te plaît. Bon, bah, c'est sur cette ouverture majestueuse de pont qu'on va se dire au revoir. Bon, attends, on se les fait. Ah, je suis mort, mec. On se les fait. Ah, ouah, je suis mort, mec. GG. Ah, tu finis bien, toi. Hein. Je t'ai fait un one shot, quoi. Et le mec, il kiffe. Kiffe son étalon du cul. Bon, bah, les amis, c'est là qu'on va se kiffer. Qu'on va se quitter. Pardon. On se donne rendez-vous dans le Let's Play numéro 2. Voilà, bah, toutes les dates sont sur le Facebook. N'hésitez pas à vous renseigner, à vous abonner, à lâcher des pouces verts, à commenter également sur ce que vous a fait cette petite vidéo, sur ce que vous avez ressenti. Et on se retrouve très, très, très rapidement. Ciao, Moutmout. A plus.